Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V en mode éditeur. Non pas pour un tuto, mais pour vous montrer la course de la semaine. La course de la semaine que j'ai créée le 29 avril, ça fait un petit bout de temps, qui malheureusement a été corrompue par des données invalides. Merci Rockstar. Je les ai encore contactés hier via un message, mais je peux plus en envoyer parce qu'ils m'ont bloqué. Ça marque que des erreurs sont survenues. Donc je vais vous montrer la course de la semaine, la dernière du 29 avril, tout simplement. Je voulais vous la montrer. J'ai mis du temps à me décider au cas où qu'elle soit changée, mais je vais vous la montrer. Donc voilà, l'activité qu'on a donnée, elle doit être créée à nouveau. Je vais la tester pour vous en mode éditeur. Je vais faire un test comme ça, voilà. Montrer en quoi elle ressemble la course réellement. Tout simplement. Je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemblait la course. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Du coup, je vais la tester. Voilà. Simple. Tout simplement. Deux tours, c'est parti. Donc, c'est une course vraiment très très sympa à faire. Malheureusement qu'ils n'ont pas de chez. Voilà, on commence par un petit saut au-dessus d'une île. Et puis là, c'est de l'automatique. Voilà. C'est de l'automatique. Vous touchez pas votre manette. Vous appuyez juste R2. Hop là. C'est fait. Vous roulez sur les trucs du pont. Hop. Vous prenez le jump. On atterrit sur la plateforme. Voilà, la partie sympa de la course. Tranquillement. Voilà, après j'ai fait un petit drapeau, je sais pas, je fais un drapeau au pif, mais il semble que c'est un peu comme la Jamaïque. C'était pas mon but de base. Donc après, petit parcours sous le tunnel. La petite double épingle à cheveux avec le trafic, donc faire gaffe. Mais bon, vous pourrez pas la faire, il y a que moi qui peux la faire. Je vais juste vous la montrer parce que voilà, je pense que c'est vraiment la fin, j'ai pas envie d'en recréer une autre. Ce sera tout. On arrive sur la plateforme. Là, on arrive sur la partie un peu what the fuck. On glisse sur le dos. On voit rien forcément. On sort sur un tube et sur la plateforme verte. J'ai complètement la caméra à l'envers. J'y vois que dalle. Oula, voilà. Petit wall ride. Donc, restez bien en haut parce que c'est du wall ride à 5 degrés. Et voilà, la 5 degrés, ça a du mal à accrocher. Donc là, énorme wall ride. Gigantesque. Gigantesque wall ride. C'est impressionnant. Qui tourne bien sûr que du même sens. C'est quand même impressionnant. Donc, le wall ride est énorme. Après, on arrive sur la partie tube. Là aussi, il faut pas toucher à sa manette, vous restez bien droit, touchez pas votre manette, c'est quasi que d'automatisme. Voilà, vous touchez pas, vous avez 2-3 loopings à l'intérieur des tubes, vous comprenez pas grand chose. Donc ça sort sur une sortie juste à la fin, vous touchez un petit peu parce que vous allez sortir en mode pétard. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi la course a été vraiment corrompue, il n'y a aucun glitch, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout, la course est clean. La course elle est clean, voilà. Donc deuxième tour, je vous laisse ça en musique. Non je déconne, je vous laisse pas ça en musique. Je vais juste faire passer un message à Rockstar. Si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, corrigez ce bug. Si déjà apparu lors du mois de février 2017, qui est apparu lors de l'ajout de la mise à jour casse-cou forcément en août 2016. Corrigez-moi ce bug, c'est pas la seule course que j'aime qui est corrompue comme ça, mais je voulais juste que vous changez juste celle-ci. Les autres je m'en fiche, elles sont pas appréciées par la communauté. Celle-ci elle est très appréciée, elle est faite par les plus grands youtubeurs, que ce soit français et espagnol. Espagnol, c'est beaucoup plus que français. Espagnol, ils font plus, ils font chaque semaine. Comme Nipao Gamer, il y a Daniel Rep,
Voilà. C'est vraiment triste d'en arriver là, sachant que j'ai commencé la course le 27 mars 2014. Et d'en arriver là, qu'elle soit bloquée, tout ce travail fait durant quasi toutes les semaines, des semaines où je prenais du repos parce que j'avais pas vraiment d'idées en tête. J'ai de l'imagination, mais pas à l'infini non plus, hein. Je suis pas une machine. Voilà, Rockstar, s'il vous plaît, corrigez ça. Ce serait très aimable à vous. Je sais que vous en êtes capable de le faire. Oula, j'essaie de me rattraper bizarrement, mais j'ai pas trop réussi. Faites-le, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en supplie même, je suis même supplié parce que c'est dégueulasse. Il n'y a pas que moi qui ai eu ce problème en plus. Il y a des grands créateurs comme les Sniper vs Zentorno, tout ça, qui ont eu le même souci. Mais leur activité marche encore. Je sais pas trop comment ils ont fait pour que l'activité remarche. Moi, Rockstar, enfin l'assistance Rockstar m'ont donné des éléments à suivre. Ça n'a rien changé. J'ai tout me retapé des trucs qui servent à rien. Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça tellement dommage. Je suis un petit peu dégoûté d'une part, mais de l'autre, je me dis, bon, chaque chose a une fin. Comme le prochain GTA, hein, je vous dis, j'ai eu une petite info qui a déjà été trimballée partout, comme quoi ça sera en 2021, il n'y a pas de truc plus là-dessus. Quelques autres choses aussi à vous montrer pour ce qui va sortir en fin d'année, notamment le premier DLC de Horizon Zero Dawn, je pense que je vais me l'acheter, la partie The Frozen Wild. La Wild, je sais plus trop ce que ça veut dire, mais je vous en dis pas plus là-dessus. Donc c'était juste pour vous montrer la course, voilà. Petit saut, donc on a traversé sous le pont, atterri sur la plateforme. La course est assez rapide en elle-même. On arrive sur la montée sur le dos, la sortie par le tube, le géant wallride, les tubes, l'épingle à cheveux, et on revient à l'arrivée. C'est tout pour cette vidéo. Rockstar, s'il vous plaît, corrigez ça encore une fois, je me répète. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!